Miamsu, tu es un génie culinaire. Merci, mais je suis aussi un génie Among Us. En fait, le vrai génie Among Us se tient juste devant toi. Si, tu es offensé. Ce n'est pas la raison pour laquelle il faut éteindre la lumière. Ce n'est pas moi, Sammy. C'est toi l'imposteur. Trouve-le. Je sais que ce n'est pas moi, alors ça doit être toi. Si, comment ai-je pu gâcher ton magnifique gâteau? Tu m'as l'air convaincant. Nous devrions faire un bricolage qui nous aidera à attraper l'imposteur. Je suis doublement convaincue. Hé, les amis, aujourd'hui nous allons faire un bricolage pour attraper les imposteurs. Si, regarde ça. Nous devrions savoir à quoi ressemble l'imposteur. Cela augmentera nos chances de l'attraper. Bonne idée, Sammy. Ça va aussi augmenter nos chances de faire un chouette bricolage. Les amis, demandez à un adulte de vous aider pour cette partie. En plus, même si on n'attrape pas l'imposteur... Impossible! Les amis, donnez un j'aime si vous êtes sûr qu'on va trouver l'imposteur du gâteau. Ah, Sammy, tu ne m'as même pas laissé finir. Écoute! Ok, je suis toute oui. Oh, Sammy, je voulais juste dire que ce bricolage va nous aider à entraîner notre attention. Bon, c'est parti. Je perçois encore un peu de doute dans ta voix. Sammy, j'ai trouvé l'imposteur. Quoi? Où est-il? Oh, nulle part. Si, ne te laisse pas distraire. Si tu le dis. Les amis, maintenant nous allons chercher ces petits imposteurs. Même s'ils sont si petits, ils sont assez dangereux. Ne t'inquiète pas, Su. Je vais accomplir toutes les tâches en un rien de temps. Ok, Sammy, je crois en toi. Trop vite? C'est ma vitesse normale. Vas-y, espèce de machine agaçante. Regarde combien de silhouettes nous avons ici. Maintenant, on va leur coller des morceaux de scotch. Ha! Génial! Maintenant, c'est trop lent. C'est pas possible. Sammy, reste calme et continue. Et fais attention avec les ciseaux. Pendant que vous, les amis, pouvez demander à un adulte de vous aider. Restons calmes et continue. Au fait, les amis, vous connaissez l'histoire de cette expression? Ces mots proviennent d'une célèbre affiche de motivation qui a été utilisée en Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle appelait les citoyens à rester calmes en toutes circonstances et à continuer à faire leur travail. Si, j'ai une grande nouvelle! J'ai réussi! Tu vois, le slogan fonctionne toujours! La prochaine tâche m'attend! Quoi? Des fils? C'est trop difficile! Pas de soucis, Sammy, je vais t'aider sur ce coup-là. Nous allons coller ces fils sur les morceaux de scotch. Hop! Voilà! Ces fils enverront des impulsions électriques qui feront fonctionner notre bricolage. Et voilà! Si, tu m'as aidé avec ma tâche et je vais t'aider avec le bricolage! Ouais! Nous formons une super équipe! On en a fini avec les fils! Ça a l'air très scientifique, hein, Sammy? Je me sens comme un scientifique trop cool! En fait, je pensais que tu étais plutôt un joueur de Among Us. Je suis le plus grand joueur de Among Us. Je suis juste une sorte de génie polyvalent. Et je suis un simple génie du bricolage. Hop, voilà! Je trouve que les génies devraient se serrer les coudes pour créer plein de choses géniales. Absolument! Laisse-moi t'aider à sortir les poubelles. Attends, Sammy, on a besoin de cette poubelle pour notre vaisseau. Mais merci d'avoir pris l'initiative. Si, je vérifiais juste ta vitesse de réaction. Oh, comme tu peux le voir, elle est encore assez bonne. Ouais, tu as montré des résultats parfaits. Une dernière chose et la partie principale de notre bricolage est prête. Maintenant, les amis, nous pouvons passer à la partie suivante. Ne t'inquiète pas si, je m'en occupe. Ok. Les amis, je ferais mieux d'aller voir notre génie. Si, je ne comprends pas ce que je dois faire avec ça. Les amis, la colle chaude est une chose très délicate. Alors demandez à un adulte de vous aider à ce stade. Maintenant, nous allons fabriquer le moteur de notre bateau. Hop. Suzy, je l'ai.
Regarde quelle belle et utile pièce que j'ai faite! Beau travail, Samy! Je savais que tu étais très déterminée! Tu es déterminée! Moi, je suis un génie! Ça ne veut pas dire que le génie ne puisse pas être déterminé, Samy. Ça veut juste dire que tu n'abandonnes jamais et que tu finis toujours ce que tu as commencé. Et voilà! En fait, mon petit ami Slime, tu devrais être fier de ce trait de ta personnalité. Voici où va le moteur. Génial! Qui a dit que je n'étais pas fière? Mais je dois encore finir quelque chose. Les amis, vous avez une idée de ce dont Sam parle? Eh bien, les amis, il est temps de remettre nos imposteurs à leur place. Ce bâton de bambou tiendra toute la structure ensemble. Comme ça. Samy, tu travailles sur une nouvelle tâche? Oh, mes tâches! Je les ai complètement oubliées! Prends ça! Ça met un slime déterminé, mais il oublie aussi parfois. Si, voici toutes les pièces que j'ai faites pour le bricolage. Et maintenant, en tant que slime déterminé à 100%, je vais aller finir quelque chose que j'ai commencé. Tu sais, Samy, je suis aussi une personne extrêmement têtue quand je me fixe un but. Mais parfois, je deviens paresseuse et j'utilise un peu de magie. En fait, je pourrais être une employée parfaite pour la société Microsoft. Parce que tu es paresseuse? Exactement. Connais-tu la célèbre citation de Bill Gates? Ha! Bill Gates, c'est un nouveau héros de Marvel? Non, Samy! C'est un type qui a inventé les ordinateurs, les programmes et toutes sortes de choses. Tu sais, une des personnes les plus riches du monde. Attends une seconde, si! Je fais quelque chose qui a besoin de toute ton attention! Voyons voir. C'est très bien fait. Que puis-je dire? Tu as parfaitement réalisé ce câblage. Toutes les pièces sont connectées avec soin et précision. Bref, c'était quoi cette citation de Bill Gates? Oh! Il a dit qu'il choisissait toujours une personne paresseuse pour faire la tâche la plus difficile. Parce qu'une personne paresseuse trouvera toujours le moyen le plus facile d'accomplir cette tâche. C'est très sage! Au fait, tu... J'ai failli oublier! Tiens! Merci, Samy! Écoute, si, selon les règles du jeu de Among Us, si nous accomplissons toutes les tâches, l'imposteur sortira automatiquement! Puisque tu es le meilleur dans ce domaine, c'est ta responsabilité d'accomplir les tâches, Samy. Collons-le ici. Ne t'inquiète pas, si, je ferai de mon mieux! Je ferai de mon mieux! Je n'ai jamais douté de toi, Samy. Donc, pendant que Samy effectue ses tâches, je vais te dire pourquoi nous avons besoin de cette pièce avec des fils. Pour résumer, cette pièce est une sorte de moteur pour notre bateau. Elle fera courir nos imposteurs vraiment très vite. Bon, 8, 7, 6, 5, 4, 1, reste calme, Samy. 3, 1, n'abandonne jamais. Bien les amis, passons à la partie suivante de notre bricolage. J'ai fait cette pièce. Sabotage! Reste calme, Samy! C'est juste mon alarme! Au fait, ça veut dire que notre glace est prête. Tu as mis une alarme pour nous faire penser aux glaces? Ouais, je fais toujours ça, Samy. J'apprécie beaucoup ton organisation, Suzy. Il est temps de connecter toutes les parties de notre bricolage. C'est parti! Samy, pas de glace tant qu'on n'a pas l'imposteur. Je n'y pensais même pas. Alors les amis, quelle partie du jeu Among Us est votre préférée? J'aime bien celle avec les chapeaux, par exemple. Il y a tellement de chapeaux, cool! Au fait, les gars, demandez à un adulte de vous aider ici! Samy, et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce jeu? J'aime quand j'identifie l'imposteur! Les amis, je vais vous donner un indice! L'imposteur ne fait pas de tâches parce qu'il ne peut pas! Ah, Samy, j'ai une idée de qui ça peut être! Je t'écoute! Toute information est utile en ce moment!
Eh bien, en fait, Fluffy a l'air vraiment suspect. Cette hypothèse est intéressante. Je vais y réfléchir. Fluffy est tellement suspicieux. Fluffy, c'est l'imposteur. Et qui avait un couteau à gâteau dans son tablier, hein? Tu as dit quelque chose, Samy? J'ai dit que j'avais déjà fait notre joueur. Waouh, il a l'air génial, Sam. Et voilà. Alors, comment on devrait l'appeler? Peut-être le menteur. Ta créativité m'étonne toujours. Peut-être qu'on devrait penser à un plan B, au cas où nous ne trouverions pas l'imposteur. Oh, crois-moi, Suzy, nous le trouverons. En fait, j'ai accompli presque toutes les tâches. Tu te souviens, quand toutes les tâches sont terminées, l'imposteur perd le jeu. Samy, fais une pause. Je pense que tu es fatiguée de faire toutes ces tâches. Ne t'inquiète pas, Su, je ferai tout pour attraper l'imposteur. Voici une dernière tâche. Mes amis, des idées? Pendant que Sam s'efforce de faire face à cette tâche facile, j'ai fait la partie avant de notre bricolage. C'est fait! Je suis le meilleur usager de mon gaz. Et notre bricolage est fini aussi! Oh non! On est à égalité! Oh, mince alors! Très bien, allons-y. Allume-le et c'est parti. Waouh. Hop, hop. Oh, c'est vraiment amusant. Ok, hop. Ouais, on y est presque. Oh, oh, oh. Oh, oh non. Oh. Samy, je te promets que la prochaine fois l'imposteur n'ira pas aussi loin. Allez, je connais la vérité. Tu es le destructeur de gâteaux. Mais comment? Je le savais depuis le début. Ah, Samy, je suis désolée, mais ce gâteau n'était pas mon meilleur. Je n'ai pas vraiment aimé le glaçage. Si, comment as-tu pu? Tous les gâteaux sont géniaux. Oh, merci. Merci d'être avec nous, les amis. À très bientôt. Au revoir.